Allez, bien salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui quelque chose d'assez spécial, quelque chose que j'avais envie de faire pendant cette semaine spéciale dédiée à Call of Duty. Donc du coup voilà, à 6 jours de la sortie de Black Ops 3, j'espère que vous l'attendez tout autant que moi, je suis un peu tout fou. Donc voilà, donc c'est vraiment super. Petite rectification donc par rapport à ce que j'avais dit hier, donc du coup que en gros on allait faire les autres maps zombies, donc à savoir Dying Rise, Origin, Mob of the Dead et la map dans le western et Nocturne également. Bon Nocturne voilà hein, c'est un peu mise de côté on va dire parce que c'est pas vraiment une map pour moi, enfin bref voilà, bref passons hein, écoutez voilà. Donc voilà, donc juste une petite intro assez rapide au début qui ne durera pas longtemps bien évidemment, vous pouvez passer si cela ne vous intéresse pas hein, tout à fait. Donc voilà, donc en gros on ne fera pas donc ces maps là parce qu'elles sont en DLC et les DLC coûtent quand même 15€ par DLC, donc autant vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez cher et donc du coup je compte tout simplement voilà les garder pour Black Ops 3 tout simplement, cet argent pour acheter les DLC de Black Ops 3. Donc du coup voilà, il n'y aura pas ces maps là, surtout que je les avais déjà achetés sur PS3, donc ça me fait un petit peu chier de les racheter tout simplement. Donc voilà, donc petite rectification par rapport à ce que j'avais dit hier. Donc voilà, également donc j'espère que voilà que la vidéo va vous plaire, donc c'est une petite mais générale FFA en compagnie de Yukong et Floki, donc le but était très simple hein, voilà je le rappelle au début de la vidéo bien évidemment. Mais en gros voilà on va faire des petites mini générales, puis en gros le gagnant en tout hein, celui qui aura marqué le plus de points et ben donne un petit défi voilà à un des deux voilà, soit par exemple si je gagne je donne un défi à Yoyo ou à Floki voilà tout simplement. Donc en tout cas j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire également si vous voulez qu'on refasse ce genre de vidéo car c'est vraiment cool notamment sur Black Ops 3 à sa sortie. En tout cas voilà, je veux pas plus vous embêter avec cela, donc c'est juste pour vous dire 2-3 petites précisions à propos de ça et donc voilà, en tout cas merci à vous, je rappelle comme d'habitude que Black Ops et à moins 75%, donc profitez-en. Les liens sont dans la description, bien évidemment. Pareil pour Black Ops 3, il est à 50 euros, excusez-moi, au lieu de 60, ce qui n'est vraiment pas négligeable. 10 euros, c'est vraiment super. Voilà, je vais pas plus vous embêter. Les liens sont dans la description, bien évidemment. Et puis, bye bye tout le monde. Hey tout le monde, c'est Floki. Aujourd'hui, on se retrouve avec Yoyo Kong ainsi que Exa sur Call of Duty Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est que Call of Duty Challenge? Alors, Call of Duty Challenge, c'est très très simple. On se retrouve en mêlée générale, free for all, beach, please. Voilà, c'était pas du tout impressionnant, c'est pas grave. Donc, du coup, on se retrouve avec Yoyo Kong et Floki. Donc, du coup, on va faire des petites mêlées générales. Donc, on va modifier les règles vite fait. Donc, en gros, limite de points 20, 5 minutes, comme ça, ça va assez vite. Les dégâts, donc je les ai mis à 80%, comme ça au moins en snipe, on est sûr que ça one shot, ça fait pas de marqueur rageant. Les classes ne sont pas autorisées, on a que des classes prédéfinies, donc le premier match se fera au DSR, donc le sniper. Spécial, donc avec la une silencieuse, ensuite mercenaire avec cette MC machin là, un pompe et le bouclier pour la fin. Au cas où voilà, il faut se départager. Donc du coup, on verra bien qui donc gagnera. Faut savoir donc du coup que le premier qui arrive bah, en gros à 3 points on va dire qu'il est obligé de gagner. Et donc du coup on va faire des petits défis. Donc en gros le gagnant de tout, enfin voilà, ouais, va donc proposer un défi à celui de son choix. Et donc voilà, donc on va commencer sur Yémen, une map plutôt pas mal. Et on commence. Donc voilà. Donc on peut remarquer le magnifique logo hein, de Floki. Voilà. Il faut savoir que. Du coup, on avait tourné plein de trucs avant voilà. À propos de ce code de challenge. C'était très serré. J'ai tout supprimé. Voilà. Parce qu'il avait perdu. Non, sans faire exprès. Parce qu'il avait perdu. J'avais perdu, mais j'ai pas fait exprès. Donc la prochaine fois que tu pars, je te prends. C'est comme moi, j'ai pas fait exprès de te virer la pète. Non mais je vais t'être. C'est drôle ça. Hein. Allez. Oui. On commence avec Agent. Je rappelle. Donc du coup, Yaman, je sais pas si vous connaissez une app que j'adorais. On met Agent. Ouais. Oh non, mais j'aimais mieux l'autre turbine. Elle est drôle. Je vais t'étrangler. Ah. Pas drôle. Mais j'avais gagné en plus. Donc j'ai mis bien évidemment aucune arme secondaire. Donc j'ai mis ça parce que Floki s'amuse à cut absolument tout le temps. Donc le fun. Et alors, c'est quoi le problème? Ouais, on me tire dessus, mais quelqu'un très mauvais apparemment. Ah, ok, je l'ai vu. Oula. Non. Il est tombé, ok, d'accord, très bien. Ivan est tombé dans le vide. Oh. Oh là le DSR, putain, faut savoir qu'avant on a joué au Ballista, donc c'est normal si j'ai pas pris l'habitude du DSR parce que c'est assez score, vraiment plus lourd. Donc c'est plus chaud.
Mais bon, ça va, je m'y suis un petit peu, à peu près remis, on va dire. Ah! Après, c'est non, du code, non, donc ça s'oublie pas. Mais... Vous commencez pas à être relou. Mais non! Je vous casse! Oh putain! Mais non! Mais. Ulule! Mais non, mais quoi? Mais. Comme j'y arrive pas! Mais là, il est tiré! J'ai mis plus facile de catch, CS. Ah putain. Eh, comme je. Oh, comme je. J'aime pas du tout. On va prendre ça. Vous allez voir, on va les faire rager un peu. Non. Où est-ce qu'ils sont? Moi, je te jure. Oh putain, ils doivent camper dans les endroits, du coup, on va pas pouvoir y accéder. Haha, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ça va être chiant. Oh la salope! Voilà, on l'a. Il va mettre un petit drone histoire de les faire encore plus rager. En fait, dites-vous que, en gros, si on a un drone, après, c'est complètement pété. Parce que du coup, on voit tout le monde. Bon, là, sauf que là, il bouge pas, c'est sale race. Oh putain, je suis tombé en bas, MDR. C'est pas grave. Et ça, ça perd des points, ça, quand tu tombes. Non. Putain, mais regardez les camper. On voit, on les voit camper sur le radar. Regarde dessus. Incroyable. Mais non. Putain, mais j'y arrive pas. Une balle à mort. Kill streak. Referme ta gueule. Tu m'as cassé les dents. Ah, par contre, voilà. Alors, hein. Tu parles de camper, mais en. Voilà. Moi, hein. Moi, mon grand frère, il va arriver sinon. Regardez-le, lui, on le voit passer en bas là. Merde. Ouh, bida. Oh là là. C'est des lance-roquettes que vous tirez, quoi. Yo. Mais sûr. Non. Oh putain. Mais derrière, depuis tout à l'heure là-bas. Yo yo la campeuse. Quoi, yo la campeuse? J'invite à mettre ça dans les commentaires. Mais putain! Jeu de merde! Oh putain! Mais putain, c'est le paquet! Non! Oh là 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 là! Le bordel infini! C'est honteux, mais c'est honteux! Mais c'est honteux ce jeu, les mecs! J'ai plus de balles! Non, mais il a tiré, putain! Oh, mais si t'as pas une arme légère, tu peux paquet, hein! Ça mais c'est... Mon dieu! Gueule, ça me déstabilise tellement! Et encore une victoire pour moi. Hein. Oh. Alors comme ça, putain, je te stabilise comme ça, Léo. C'est supportable. Ah mais ah. Regardez-le lui. Non. Ah mais arrêtez, vous êtes pas bien. Incroyable. Dans ce... ah non, putain, je voulais tenter le tomahawk. Dommage, dommage. Bon, il a un point de moi, il reste une minute. Ça va être chaud. Yo, montre-moi ton dos. Non, bah, depuis tout à l'heure, je te tire dessus. Pourquoi ça te tue pas? Ah! Salon! Salon! Et ça te tue pas, putain! Depuis tout à l'heure, je te cut! Ça fait 10 minutes que je te cut, putain! Ah, oh non! Ah, David, plus j'ai... mets-moi un cut en armes secondaires. Non, 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 ça dégage. Putain, mais pourquoi j'aime pas cette map là? C'est la grosse merde. Tu vois qui rage le mauvais joueur quoi. Ferme ta gueule, pour une fois que j'avais gagné une partie, on me l'a enlevé. Toi ta partie, on le fait. Au revoir. Non, putain. Tu vois tes rêves? Hop là. T'es insupportable. Bon, 9. Et voilà, encore une fois. Oh non, allez putain, il s'est fait tuer. Arrête de gueuler. Il est où? Oh, il est marrant, David. Non, mais cachez-vous pas. Oh là là, les mecs, no fun. Me cache pas, je te gère. Vas-y, ils se sont cachés tout le long, mais c'est incroyable! Oh non, ah, il est là! Oh. Non, il est premier! Oh là là! Putain, Johan, mais t'es tellement. Regardez-le camper! Non, mais j'ai pas campé! Il y avait Johan ici, du coup, je l'ai buté! Oh là là, le hardscope en plus, c'est pas. Non, bon. Mais non, mais c'est hardscope parce que c'est au ralenti, sinon c'est ouais, pas de hardscope. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, oh, mais. Ah! Oh putain, bon! Et mais, écoutez... Allez! Johan, zéro tir à la tête, et bah alors? Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta putain de gueule, parce que c'est... les cuts là, les petites teintes cuts, ça marche pas. On va prendre Nectarne. Oh là là, bon, allez, deuxième petit défi. Donc du coup, c'est j'ai on va jamais prendre gagné Line Silencieuse, N94. Et je suis pauvre, si je gagne toutes les manches. Et là, ça on prend quoi si du coup? Si je gagne celle-là, je gagne forcément en fait. Non, parce qu'il y a 4 manches. On prend quoi? Ah. Moi, Line, la spécialiste.
Okay. Donc là, on a une haine silencieuse, bien évidemment. Avec la haine, je peux peut-être faire quelque chose. C'est pas la celle de péter tout à l'heure, celle que You nous avait. Oh non. Bah, il vous a violé, mais après, David nous a violé. Clairement, il s'est violé en premier. Hein. Moi. MDR. MRDR. MRDR. Il y a des gens qui ont fait là-bas, lui. Putain. Ah, je t'ai touché, MDR. MDR, MDR. C'est drôle, ça. MDR. Toi, mais crève ta mère! Putain, Yann, faut pas le faire le choix, Code. Hein, mais ce jeu est nul! Code, ça libère son truc, son petit coup, tu sais. C'est ça, oula. Mais putain, il prend tes balles! J'en ai marre! Ok. Bon, alors, comment on quitte? Quitter la partie. Yann, il est spécialement nul aujourd'hui. Non mais déjà que je suis nul de base, pour une fois j'avais gagné, ben... Y'a un mec en haut de la maison, d'abord. C'est pas moi, c'est pas grave. Mais il a sauté. Bah non, il est encore en haut, il est encore en haut. Tu parles de lui? Aïe! Mais je sais pas qui c'était, moi. Where are you, man? Il y a déjà passé en dessous, là, entre les deux camions, lui. Ah, c'est pas moi. Si, c'est toi. Oh putain, je le shoot de merde que j'ai eu. Excusez-moi, j'ai besoin de kill. Excuse-moi, c'est gratuit. Putain. Excuse-moi. Ok, bon, on va vite le calmer. Le mec il prend trop la grosse tête. Allez, c'est parti. Ah, mais le mec! T'es rien comparé à Monsieur Vledou, je l'ai battu moi. Moi aussi. Désolé dans la vidéo. Et puis moi, je m'appelle Francis Gall aussi. Pff, alors ça, Yohan, c'était nul. Hein. Faut savoir juste que, donc du coup, précise, c'est une reprise là, en gros, de code pour nous. Déjà que... Non, non, moi, pour moi, c'est la première fois. Voilà. Mais en gros, faut vraiment s'y remettre. Et donc du coup, on fait pas cette vidéo dans le but de prouver un skill, hein, bien évidemment, qui est plutôt inexistant de la part de... Quoi tout. Mais il shit la Wallach. Ah ouais. Oh merde. Oh putain, oh là là, il a lancé deux Semtex, ça va te balayer les couilles quoi. Incroyable. Hop, on va remonter. Personne là. Par contre, celui-là, il va gagner quoi. Mais regardez le camper lui. Mais j'en ai marre, pourquoi tu me tues à chaque fois? Mais j'en ai marre, ça me casse les couilles. Putain, il reste 2 minutes et pour l'instant, j'ai l'avantage. C'est la merde ces grenades, c'est start pas loin. Oh là là, et regardez-le. Insupportable. Oh oh, mais le Wallach. Allo Wallach. Mais... Non, non. Sale pute. Putain, mais il y a une civile, j'ai cru que c'était une meuf. Oh là là. D'accord. Alors Yohan y a tiré partout. En mode balle les couilles. Et ça m'a mais putain, quoi. Mais oh là, shit. Oh putain. Oh putain, Léo est premier. Oh, oh, je suis premier. Non, on ex aequo, on ex aequo. Mais non, je t'ai vu en premier. On est plus ex aequo. C'est un cache-cache, ok. Il a pété un câble. Je sais même pas pourquoi on va là en fait, parce que c'est tellement flag à chaque quoi, fois. Quoi, quoi, mais putain, mais il m'a one shot ce fils de. Non, il m'a one shot. C'est incroyable, je vois même. Mais voilà, et moi je suis une grosse merde, je rate tous mes tirs. Allez. Mais putain, mais allez vous faire foutre. Laissez-moi pas perdre, s'il vous plaît. Allez, une petite série de kills, s'il vous plaît. Putain, mais les camps, ces bâtards. Ah, le salaud. Salopio, tiens. Tiens, elle est salopio. Le salopio. Oh là là, mais Yohan. Et Yohan, la maison, ça le connaît. Hein. Mec, c'est un putain de. Oh là non là, tranquille. Arrête de tuer. Non, vite. Vite, 2 kills. Un kill. Yo-Yo meurt pas bêtement. Ah. Non, mais Yo-Yo. Fuir, fuir, fuir. Eh putain. Mais Yo-Yo, mais quel bordel.
Putain, mais yo-yo, tu m'aurais laissé tuer, genre cagnard. Ah là là, et à la fin on les viole bien évidemment, tout en douceur. T'en fous, j'ai dans toi Léo, je te baise, moi, je t'ai pris comme ça, moi, je te baise. Insupportable. Voilà. Regardez-moi. Mais regarde, tu tires même pas sur moi. Si, si, là, tu te fous ma gueule, je tire pas sur toi. Mais mec, normalement, oh. Et c'est pose nos coups sur la table. Un pour Floki, un pour moi, un et zéro pour Yvan, excusez-moi. Du coup, on va partir sur Ajak, le petit bateau. Je sais pas qu'est-ce qu'on a comme classe après. On a. Je vais aller regarder vite fait. Moi j'ai la classe de Bokos MDR. Ok, bon, on a une mitraille donc ça va être bien sur ce terrain, ça va. J'espère qu'on ne m'a pas entendu. Donc cette fois-ci, ça peut être assez décisif. Si moi ou Floki on regagne. Johan, et bon, moi, bah, on attend. Il sera juste équilibré. Hein. Ah si, parce que si quelqu'un gagne là et que la prochaine fois je gagne, et bah celui qui aura gagné cette manche, il aura gagné. Et ouais. Ouais, en gros, tu vas juste faire rallonger la vidéo quoi. Allez, mercenaire. Donc du coup, donc c'est une MSMC personnalisée. Donc il y a tir rapide, le grand chargeur et un truc totalement pété, je crois. Enfin, je sais plus exactement, mais. Ah voilà, il tire rapide, poignée et charge en grande cape. Tu veux pas le mode des armes secondaires, c'est plus drôle. Non. L'arbalète. Voilà, aussi c'est pour ça que j'ai pas d'arbalète, je peux pas gagner. Ah oui, bon, faut savoir que ce gros schlag joue qu'à l'arbalète. Ah, salut. Quoi? Bon, bah voilà. Le premier kill a été pour David, il va gagner cette manche. Voilà. Putain, et les mecs jouent leur vie, hein, ils se cachent de ouf. Hein. Tu veux un Doliprane? Et avec cette blague, et je sais pas où tu l'as vu, mais elle est vraiment. Oh là là. Et autant vous dire que dès que quelqu'un commence à vous tirer dessus, t'es mort en fait. Genre, t'es perdu. Tu veux un Doliprane? Ouais, de bien, et toi? Tellement peu drôle, Yvan. Putain, faut plus rigoler ici. Hein. Bah, pas faire un putain! Oh la salope! Un petit peu plus et je t'aurais fait exploser le cerveau! Non! Non! J'ai plus le temps de faire exploser le C4, putain! Tu vas pas laisser Yoyo de jouer quand même, Yoyo? Bah non, il faut pas, ça va juste faire allonger la vidéo. Là, c'est Yoyo ou quoi? Bah ouais, il est perdu. Mais non, mais au bout d'un moment, c'est bon là! J'en ai marre! En fait, faut vraiment le temps de se réhabituer à l'arme quoi. Et vous voyez la chance de Yuan un peu? Bah non, j'arrive, je commence à l'heure, je te track. Non, non, t'es perdu. Si, putain, l'heure, je te track. Oui, bah je t'ai vu. Tu vas me recharger devant toi tellement. Mais après, le mieux, Yuan, c'est de tirer sur le bonhomme en fait. Pas de tirer. Mais non, 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 je dis non. Alors voilà pourquoi je n'aime pas jouer sur Ajak avec ces joueurs de Spersimian. Spersimian, oui. Parce que toujours, il y a quelqu'un qui campe là-dedans. D'accord, c'est même pas touché. Quelqu'un qui va arriver par derrière. Non, alors non, voilà. Faut mourir. Autant dire que voilà. Donc c'est toi qui campe à l'intérieur en fait. Hein, ah non, c'était toi qui étais là, t'es le fun de ma gueule. J'étais pas, c'est un C4. Mais j'arrivais, je venais juste prendre une photo hein, après. Voilà. Mais la pute! Et après, pardon. C'est moi qui campe là-dedans. Insupportable. Je suis en train de recharger, je campais pas. Putain, mais le mec qui campait, lui, c'est 2 secondes quoi. Ah, excuse-moi, il tempo. Ah, bah, encore quelqu'un qui passe dans le truc à pute là. Oh non, il y a un C4. Oh putain, je suis chaud. Oh bah oui, mais trop tard. Alors là, le temps de réaction de cet homme. Je sais pas qui avait mis le C4, mais autant dire qu'il était pas très rapide quoi. C'est pas moi, c'est pas vrai. Yvonne, après je te signale, voilà. Ah. Langage, t'es vulgaire. T'es vulgaire. De nombreuses raisons, j'ai jamais raison, je te signale. Oh putain. Alors autant dire que ta théorie du voilà. Et tiens, vas-y repointe ta petite tête de salaud. On se tire. Eh ben non, je me suis pas tiré! Mais j'en ai marre! C'est quoi ça? Hein?
Bon bah David a gagné, voilà. Trop marrant. Mais je ne laisserai pas égaler Léo la prochaine manche. Y'a pas de prochaine manche. Bah si. Non. Bah si, si tu gagnes ça fait ex aequo. Donc je gagne là maintenant. Ah bah moi je pensais qu'on avait 4. Bien, je non, pas les touches. Si on fait un kilo cut, ça fait quoi? Salut! Non, il a fait les kills, enculé! Oh la... Mais t'es vraiment... Mais... Saloperie, mais... hein! Saloperie! Sale pute! Voilà, et faut là, le dire comme il est, là, y a les gens. Syndrome. Mais il est honteux, lui! Oh! Mais sale pute! Et il est pulpé! Encore un drone? Viens! Oh, pas un drone! Putain, je suis pas dans le bâtiment. Gardez-le camper, lui. Regardez-le là, il dit qu'il est pas dans le bâtiment ce gros schlag. Ah non, il est en bas. Attention au chrono. Ah, attention au chrono, merde. Bon bah. Est-ce que vous sentez écrasé un peu? Ah merde, mais il est là-haut. Il suicide le con. Et en espérant qu'il tue pour la killcam, ça pourrait être pas mal. J'ai la killcam. Ah, bon. J'ai la killcam. Et ben, point pour moi, un pour Floki, 0 pour Yvan, toujours. C'est pas grave, je vais faire la killcam. Regarde la petite killcam de fin. Ah ouais, trop beau. Oh putain, trop beau, Yvan. Sur quelqu'un qui dit, je suis en RCXD. Je pense que c'est vraiment ton plus haut kill. Ah putain, en plus, il est en bas le petit RCXD. Bon. Alors Léo, on est nul. On alors, est éternel. Là, la victoire est pratiquement bien pour moi. Du coup, on va regarder les autres classes et on va laisser choisir les maps hein, bien évidemment. Mais turbine et tu mets. Ah, il y a encore une manche. Là, c'est fusil à pompe le dernier. Oui, et après, non, là, il y a fusil à pompe et bouclier anti-émeute. Il reste. Turbine. Turbine. Non, pompe turbine, mais t'es complètement niqué dans ta tête. Justement, c'est le rôle. C'est pas drôle. Bon, bah okay, si allez. C'est drôle. Allez, c'est drôle. On va mettre turbine. Voilà, le fun est l'état pur. Ok. Et donc du coup, donc là, si je gagne, j'aurai gagné. Donc du coup, ben voilà. Si là, Floki gagne. En fait, Yohan ne peut plus gagner là. Disons-le. Bah non. Yohan, non mais je peux faire gagner David. Yohan peut faire égalité en soi. Il peut remonter de 2 points. Hein? Mais moi, là. Parce que là, si tu gagnes là les deux dernières, et ben ça fait 2 pour moi et 2 pour toi. Pourquoi le fusil à pompe. Ouais, en une tonne. Alors là, ça va être drôle, hein, parce que dans cette map, MDR. Hein. Mais ça veut rien dire en fait, les gars, ce que vous avez fait là. Comment tu utilises le bouclier? Non, mais y'a pas de bouclier. C'est une autre mission que vous avez fait. Parce que là, il reste 2. Ah bah non, je. Hop. Pas possible. Ah bah si. Obligé. Non, t'inquiète pas, je vais gagner. Donc ça au moins ça. Oh. Oh là là, mais putain, on est tellement loin. Quoi. Non, mais rush aussi là. Vas-y. Vas-y, casse le couille. Oh là, c'est quoi? Genre j'ai mis des armes secondaires. Oh, ok, d'accord. Bon, on va jouer au cap 40. Il y en a un qui joue à ça à Kimbo, quoi. Genre il a aucune peine. Oh là, moi je joue avec ce qu'on me donne. J'aime bien parce que vous voyez pourquoi je mets pas d'armes secondaires. Non mais salaud. Qui joue avec? C'est qui le joue plus là pour l'instant? Bah vas-y hein, moi je voulais. Oh. C'est vraiment des caca. Mais je voulais pas commencer à jouer et. Bon vrai, bah bon. Léo. Oh putain. Je vais péter un câble. Eh, vous arrêtez ça tout de suite. Non, j'ai shift tab. Alors? Oh la pute. Il l'arrache quand même. Putain, tu te tapes de mort. Oh oui. Oh oui. Trop bien ce jeu. Non, Léo est devant moi. Et toi, c'est toi, tu veux qu'il gagne? Fumigène, tcha. Bon bah les couilles, j'ai juste cette deuxième. T'es nul toi. Alors comme ça on rage Léo, on a peur. Alors on veut gagner. On n'a pas envie de se créer. Il va se faire, tu te tais, c'est pas bon. C'est mort, t'as pas. Salut. Mais. Salut. Ah oh, putain. Et sérieusement. Voilà.
vous invite plus jamais à dormir chez moi et à manger des petits goûters ensemble. C'est fini tout ça, c'était avant. Les petits goûters, c'est vous qui vous... Ah. Putain la pute. Man s'est enculé. Le pire c'est que c'est même pas moi en fait qui t'a tué. Oui mais le pire c'est que j'ai sauté entre vous deux et... Comme un con. Oh, bah ça fait l'effet sandwich. En fait derrière toi tu prends attention bolos. Oh là là. Infâme avec son cap 40 lui. Arrête. Infâme. On va mettre une petite fumigène en mode cha-cha-cha. 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 Je suis invisible. Cha-cha-cha. Oh la fumigène. No God. Please. No. Dégage de moi. Dégage de chez moi. Oh là là. J'ai cru qu'il allait sortir le cap 40. Fais gaffe, il y a eu un en bas. On aurait dit un putain d'alien. C'est un stage, mec. Calme-le. Il se fait que kill. Qu'est-ce que c'est ça? Il va pas bien. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-là. D'accord, ok. Alors ça utilise les armes secondaires, bien David. Hein. Moi, je c'est bien, bien, c'est bien. Hein. Voilà, après, bon, c'est pas moi qui ai vu. Saut de l'ange! Tu meurs. Yo-yo, tu ne donnes pas des points, s'il te plaît, à mon adversaire. Non, mais c'est bon, là, j'ai. Et moi, je suis peut-être pas ton adversaire, sale pute! Non, mais toi, tu comptes pas. Eh, mais par contre, yo, t'es vraiment beaucoup trop vulgaire. Hein. Bah, oui, ouais, Johan. Mais moi, là, je suis en mode rage, c'est parti. Hein. Oui, ses parents, ils sont partis, ça y est, hein. C'est la fête, hein. Ils se lâchent. Ah, j'ai mal à moi à cause de toi. Trop marrant, c'est bon. Hop, on va mettre le petit arsenal. Si je crève. Oh attendez, je vais essayer de faire un putain de tremplin. Si je crève l'eau. On m'a tué, c'est pas grave. Tremplin. Mais putain d'arrêt toi t'avais prévenu. T'avais pas qu'à me tuer, sale pute. Mais le mec il me prévient. Tu sais, il y a une RCX derrière toi, qu'est-ce que je fais? Cours plus vite. Putain. Oh, mais il y a des gens derrière. Le mec qui oh joue là là. Avec l'arme secondaire. Salaud. Vous êtes plus mes copains. Léo, en fait, quand il est vénère, il a l'accent belge. Mais non, mais arrête de nous importer. Ah, mais tu m'aides avec. Oh non, j'ai failli avoir le kick-up. Oh, y'a un kick-up, bon, bah les couilles. Et c'est Léo. Ah, t'as le père. Oh là là. C'est troisième. Regarde, bonjour. Regardez-le, slash. Oui. Regardez-le. En plus, j'étais en train de mitrailler, quoi. Et là, j'allais le tuer, mais. Non, nope. Ouais, j'allais le tuer, merde. Et là, j'allais tirer sur le caillou. Bref, et bah écoutez, en tout cas merci à vous, c'était une victoire plutôt écrasante. Pourquoi t'as supprimé Léo? Putain, j'ai gagné la première game, putain. Dans tous les cas, ils ne peuvent plus remonter. Parce que j'ai 3 points, Floki en a 1 et Yuan en a 0. Et puis j'ai voilà. Pas de time. Donc du coup, voilà, pas le time. Du coup, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vais faire le petit défi, alors je sais pas si Yuan ça sera drôle ou si... Allez, on va remettre à Floki parce qu'il a voulu supprimer la vidéo. Non, il a supprimé la vidéo soi-disant par malencontreusement. Donc du coup, maintenant j'ai record ce point de vue, donc du coup il ne pourra plus le supprimer. Du coup, Floki, la prochaine vidéo, donc enfin moi, donc du coup ça sera J-3 avant la sortie Black Ops 3. Donc du coup, il devra faire une vidéo en facecam avec. Un vêtement totalement ridicule, notamment un peignoir, je ne sais pas moi, du maquillage, des trucs nuls, totalement dégueulasse, et il devra le porter pendant toute la vidéo. Donc voilà, c'est un petit défi sympa. Hein. C'est pour le zombie qu'il faut que je me déguise. Pour n'importe quelle autre vidéo, en tout cas vous avez la vidéo dans la description, au moment où elle sera sortie, hein, bien évidemment. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir, bien évidemment, ça risque d'être très très drôle. Merci à vous d'avoir regardé ce petit défi, J-6, ben, au moment où vous regardez cette vidéo avant la sortie de Black Ops 3, c'est super cool, merci à Yuan d'avoir participé, hein, parce que ben, l'important c'est d'avoir participé.
Et voilà. N'hésitez pas à aller voir également le point de vue de Floki, hein, quand il va mettre le petit peignoir, le petit truc de lâche. Bref, en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à laisser des petits défis pour la prochaine vidéo dans les commentaires. Si ça vous plaît, on refera sûrement sur Black Ops 3, parce que c'est quelque chose d'assez fun. Donc voilà, on en fera également avec d'autres gens, notamment Roxas Frost, qui là, joue à une game de LoL, donc il n'a pas le temps. Bref, en tout cas, merci à vous, et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire en disant yo, merci d'avoir participé, et puis on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Alors, au plus.